Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je travaille une photo dans le but de lui donner l'apparence d'une toile, d'une peinture. Alors, si vous regardez attentivement une peinture à l'huile, par exemple, regardez attentivement la toile. Vous allez vous apercevoir que dans la peinture, les noirs ne sont pas vraiment noirs. Les noirs sont en fait gris foncé. Et si vous regardez les blancs, bien, vous allez voir que les blancs ne sont pas parfaitement blancs, les blancs sont plutôt gris pâle. Alors, dans une toile, il y a toujours un effet d'estompement au niveau du contraste. Alors, le secret pour donner à une photo l'apparence d'une toile, c'est de reproduire cet effet-là d'estompement dans le contraste. Et comment on fait? Eh bien, avec la fameuse courbe des tonalités. Alors, dans le tutoriel, je vais vous montrer comment ajuster la courbe des tonalités pour que notre photo ressemble à une toile. Et après ça, vous allez voir le reste du traitement et vous allez voir le color grading que j'ai utilisé pour donner une coloration que je trouve intéressante à ma photo. Et la touche finale pour donner à la photo une apparence de toile, c'est en donnant du grain à notre photo, un grain très fort, très prononcé. Le grain va aider à reproduire un peu la texture d'une toile de peinture. Alors, écoutez, la photo que je travaille, c'est une photo de fleurs. Les photos de fleurs, je trouve que c'est des photos qui se prêtent très bien à des post-traitements créatifs, à des trucs un peu plus abstraits. Alors, trouvez-vous une photo de fleurs, ouvrez votre Lightroom et suivez les instructions du tutoriel. OK, alors voilà la photo que je vais travailler. Alors, la première chose que je vais faire dans ma photo, je vais commencer par ajuster un peu les couleurs. Parce que là, quand je regarde la photo, il y a une dominante bleue et une dominante vert dans la photo. Alors, pour éliminer une dominante vert, on ajoute la complémentaire, donc on ajoute du magenta. Alors, dans le réglage teint, complètement en haut dans la balance des blancs, dans le réglage teint, j'ajoute un peu de magenta, comme ça. Et pour éliminer du bleu, on ajoute le complémentaire de bleu, c'est-à-dire du jaune. Alors, je prends le réglage température et j'ajoute du jaune. Alors, voilà. Là, les couleurs sont un peu plus naturelles. Pour évaluer le rendu des couleurs dans cette photo-là, je me suis fié à la fleur qu'il y a ici. Je sais que cette fleur-là a une coloration rosâtre. Alors, je me suis basé sur cette fleur-là pour évaluer le rendu des couleurs. Ensuite, je vais légèrement diminuer l'exposition de la photo, comme ça ici, pour avoir une exposition à peu près correcte. Maintenant, pour obtenir un rendu de toile, de peinture, alors, le travail se fait avec la courbe à points. Alors, dans une peinture, les noirs sont jamais vraiment noir. Les noirs vont toujours être un peu grisonnants. Alors, je prends le point noir et je le soulève comme ça ici. Voilà. Et en faisant ça, mes noirs ne sont plus tellement noirs, mes noirs deviennent grisâtres. Voilà. Et les blancs sont jamais vraiment blancs. Les blancs sont toujours un petit peu gris pâle. Alors, je vais prendre le point blanc et je vais l'abaisser un petit peu. Question de diminuer la luminosité du point blanc. Ensuite, je vais ajuster le reste de la courbe. Alors, je vais augmenter un petit peu la luminosité des hautes lumières comme ça ici. Et je vais ajuster mes basses lumières, voilà. Comme ça ici. Et je vais replacer la région des basses lumières, comme ça ici, voilà. Et voilà. Alors là, ma photo a une luminosité
qui ressemble à celle d'une toile, c'est-à-dire des noirs qui sont pas noirs et des hautes lumières, des blancs qui sont pas vraiment blancs non plus. Je peaufine le résultat avec les réglages de tonalité. Alors, je vais augmenter un peu la luminosité des noirs et je vais augmenter la luminosité des ombres. Question de ne pas perdre trop de détails dans les basses lumières. Voilà. Ensuite, je vais augmenter la luminosité des blancs un petit peu et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières pour éviter de perdre du détail dans mes hautes lumières. Et là, j'en suis rendu ici avec ma photo. Et là, je vais m'attaquer aux couleurs. Alors, j'ai réglé tout ce qui concerne la lumière. J'ai ajusté la courbe des tonalités, j'ai ajusté les réglages de tonalités. Alors, au niveau de la gestion de la lumière, cette photo-là est travaillée comme je veux l'avoir. Remarquez que probablement que tout à l'heure, je vais devoir à nouveau apporter des corrections ici. Maintenant, je m'attaque aux couleurs. Et là, c'est une démarche qui devient purement créative. Alors, je vais avoir des couleurs chaudes dans ma toile, dans ma peinture. Alors, je vais prendre la courbe des bleus et je vais ajouter du jaune dans les hautes lumières. Alors, je prends le point qui est complètement à l'extrême droite, je le descends et je l'envoie comme ça, un petit peu vers la gauche. Et en faisant ça, ça fait en sorte que mes hautes lumières contiennent du jaune. Ensuite, le magenta. Alors, pour obtenir du magenta, on doit utiliser la courbe des verts. Magenta et la couleur complémentaire de vert. Alors, je veux avoir un peu de magenta dans les gris pâles. Alors, je prends la courbe ici et je la descends. Voilà, comme ça ici. Et finalement, dans mes basses lumières, je veux avoir un peu de coloration bleutée. Alors, je vais prendre la courbe des rouges et je vais ajouter dans les basses lumières un peu de cyan. En faisant ça ici, voilà, comme ça, très légèrement, juste pour dire que j'ai du cyan qui est apparu dans les basses lumières et pour éviter que le cyan soit ajouté aussi dans les hautes lumières et dans les tons moyens, je vais prendre la courbe ici et je vais la relever. Voilà, comme ça ici. Maintenant, on pourrait utiliser l'étalonnage, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'étalonnage. Alors en ce moment, quand je regarde ma photo, les couleurs vertes, je les trouve un petit peu agaçantes, mais ça serait plus intéressant si les couleurs vertes étaient un peu plus jaunâtres. Alors je vais prendre le vert primaire et je vais modifier la teinte du vert primaire, comme ça ici, vous voyez, là le vert devient un peu plus jaunâtre. Moi je trouve que c'est plus intéressant. Et je vais jouer avec la saturation du vert primaire. Alors je vais diminuer un peu la saturation du vert primaire. Maintenant, je vais jouer avec le bleu primaire, alors je modifie la teinte du bleu primaire comme ça ici. Voilà. Et j'en diminue un peu la saturation. Et au niveau du rouge primaire, voyons voir, il ne se passe pas grand-chose avec le rouge primaire. Vous voyez, je modifie la teinte du rouge primaire. Oh, ça a un petit impact sur la fleur rose ici. Lorsque j'envoie le rouge primaire vers la gauche, la fleur ici devient un peu plus rosâtre. Alors, je vais ajuster mes réglages comme ça ici. Ensuite, si je regarde l'ensemble de ma photo, ma fleur jaune ici est beaucoup plus saturée que les autres fleurs. Alors, je vais diminuer la saturation du jaune. Voilà, comme ça ici. De façon à ce que cette fleur-là ait un niveau de saturation sensiblement identique aux autres fleurs. Alors là, j'ai diminué la saturation du jaune ici, et là, je vais augmenter la saturation du rose de cette fleur-là. Alors, je prends la sélection par la souris en cliquant ici. Je me place ma souris sur la fleur rose et j'augmente la saturation de cette couleur-là. Et je vais manuellement augmenter la saturation du violet et du magenta. Et j'en suis ici dans ma photo. Alors, je trouve que la photo est peut-être un petit peu sombre, mais oui,
C'est un petit peu sombre, alors je vais augmenter un peu l'exposition, voilà, et je vais augmenter la luminosité des ombres, voilà, comme ça ici. Maintenant, je vais revenir sur le vert. Tout à l'heure, j'ai joué avec les réglages d'étalonnage pour donner au vert une coloration un peu plus jaunâtre. Et bien là, je vais compléter le travail avec l'onglet TSL. Je vais aller dans Teinte et je vais donner au vert une coloration un peu plus jaunâtre. Vous voyez, uniquement en jouant avec la teinte du vert et du jaune. Je vais également augmenter la luminance du vert. Question d'avoir une couleur verte qui n'est pas trop terne, comme ça ici. Voilà. OK. Et là, on s'en va dans la retouche locale. Alors, la première chose que je vais faire, je vais m'attarder à la fleur blanche qui est ici, qui est un peu trop lumineuse. OK. Elle est tellement lumineuse que nos yeux sont portés à se diriger vers elle plutôt que se diriger vers la fleur rose ou la fleur jaune. Dans une photo, n'oubliez jamais que nos yeux vont aller là où c'est le plus lumineux. Alors, je vais tout simplement prendre un pinceau. Et avec mon pinceau, je vais diminuer l'intensité des hautes lumières et des blancs un petit peu. Et je vais passer sur ma fleur ici. Et là, je réajuste les réglages. Je veux qu'elle soit un petit peu plus sombre, mais pas trop quand même. Alors là, voilà. Comme ça, c'est bien. Maintenant, la fleur rose ici. Elle n'est pas assez rose à mon goût. Alors, je prends un autre pinceau. J'augmente un peu la saturation. Et je passe par-dessus la fleur. Ici, voilà. Question d'augmenter un peu la saturation du rose. Voilà. Et quand je regarde ma fleur, je trouve que c'est toujours pas assez rose. Alors, je suis toujours dans les réglages du pinceau. Alors, je vais aller dans la boîte de sélection de couleurs et je vais appliquer à ma fleur une légère teinte violet, rose fuchsia ici. Voilà. Et là, ma fleur est d'un beau rose comme je voulais avoir. Maintenant, quoi d'autre? Voilà. Maintenant, question de faire ressortir les trois fleurs qui sont au centre de la photo. Parce que le sujet de notre photo, c'est les trois fleurs qu'il y a ici. Alors, question de faire ressortir le sujet de la photo, je vais tout simplement assombrir les basses lumières. Alors, toutes les régions qui sont sombres, je vais les assombrir. Comme ça, les trois fleurs ici vont ressortir. Alors, pour cibler les régions qui sont sombres, outil de masquage, créer un nouveau masque et je prends un masque gamme de luminance. Et là, avec le masque, je vais cibler uniquement les régions qui sont sombres. Alors, vous voyez, en ce moment, mon masque va cibler les régions qui sont sombres. Alors, partout où c'est bleu, l'effet du masque va être appliqué. Maintenant, si je regarde ma photo, on voit que des régions sombres ont été sélectionnés à l'intérieur des fleurs. Vous voyez? Et je ne veux pas avoir de régions sombres qui sont sélectionnées à l'intérieur des fleurs. Alors, je clique sur Soustraire. Je prends l'outil pinceau pour faire la soustraction. Je m'assure que le débit et la densité du pinceau sont au maximum. Et là, avec mon pinceau, je passe sur les fleurs, là où un masque de luminance a été appliqué. Et vous voyez? J'enlève la sélection des basses lumières qui a été faite à l'intérieur des fleurs. Comme ça ici. Ici aussi, voilà. Ici aussi, comme ça. Et pour les autres, ça va aller. Les autres, je leur toucherai pas. OK. Alors, et avec mon masque que j'ai créé, je peux assombrir les couleurs sombres qui sont autour des fleurs.
et ça fait ressortir les fleurs. Alors, j'ai sous-exposé et je vais légèrement augmenter la luminosité des ombres. Alors, pour résumer ce que j'ai fait ici, dans un premier temps, j'ai utilisé la gamme de luminance pour sélectionner les basses lumières. Et ensuite, avec le pinceau, j'ai soustrait les régions de basse lumière à l'intérieur des fleurs, de façon à ce que ces régions-là ne soient pas affectées par le masque. Alors, j'en suis là dans ma photo. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ma photo est pas mal finie de traiter. Alors, je pourrais juste ajuster la vibrance et la saturation. Je vais augmenter la vibrance de façon à ce que les couleurs qui sont les moins saturées deviennent un peu plus saturées, comme ça ici. Et je vais diminuer la saturation, comme ça ici. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui m'agace quand je regarde ma photo. La fleur jaunâtre ici, elle est moins contrastée que la fleur rose qu'il y a ici. Alors, je m'en vais essayer de corriger ça. Alors, si je compare la fleur jaune à la fleur rose, dans la fleur jaune, les régions noires ne sont pas aussi sombres que dans la fleur rose. Et c'est ça qui fait que la fleur semble être moins contrastée. Alors, je prends un pinceau. Avec le pinceau, j'assombris les noirs, j'assombris les ombres et je vais passer ça sur la fleur jaune, comme ça ici. Voilà. Et je vais augmenter la luminosité des blancs et donner un peu de contraste. Et là, si je regarde, ma fleur jaune a à peu près le même genre de contraste que la fleur rose ici. Ensuite, il y a des pétales ici dans la fleur jaune qui sont très, très lumineux, très clairs. Et moi, je trouve ça agaçant. Alors, je prends un autre pinceau. Je diminue l'intensité des hautes lumières. Et avec ce pinceau-là, je passe sur les pétales qui sont un petit peu trop lumineux. Question d'en diminuer l'éclat. Voilà. Alors, je recadre la photo. Comme ça ici, voilà, voilà ma photo recadrée. La touche finale pour renforcer l'impression que c'est une toile, eh bien c'est tout simplement le grain. Je vais ajouter beaucoup de grain dans la photo. Alors là, je vais zoomer, question de bien voir le grain que je vais ajouter, et j'augmente de beaucoup le grain. J'augmente la taille, j'augmente la cassure, parce que je veux avoir un grain très prononcé qui va créer une texture dans la photo. Alors, vous voyez ici les réglages de grains que j'utilise. J'ai une valeur de 59, une taille de 37, une cassure de 61. Et lorsqu'on regarde la photo, on voit que l'image est très réticuleuse, très granuleuse. Alors ça va aider à renforcer l'impression qu'on regarde une toile. Et la touche finale du vignettage, comme ça ici. Et là, étant donné que je veux quelque chose de très subtil, je vais utiliser le vignettage incrustation de peinture. Voilà. Et j'ai ma photo finale. Une photo qui ressemble à une toile, à une peinture. Alors voilà, comme vous voyez, la courbe des tonalités, c'est ce qu'il y a de plus important lorsqu'on fait du post-traitement. Une fois que la courbe des tonalités est bien ajustée, la moitié du post-traitement est fait. Alors, je vous invite vraiment à utiliser la courbe des tonalités dans votre post-traitement à l'ordinateur. C'est le secret de la photographie numérique, la courbe des tonalités. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez jeter un œil sur mon Instagram, sur mon site web. N'hésitez pas à me laisser des commentaires.
Je relance une invitation que j'ai souvent lancée. Si vous avez des photos que vous ne savez pas comment trop traiter ou des photos qui vous posent des difficultés dans Lightroom, eh bien, envoyez-moi votre photo par courriel et dans votre courriel, expliquez-moi qu'est-ce que vous aimeriez faire avec votre photo, les difficultés que vous rencontrez lorsque vous travaillez votre photo. Et moi, je ferai un tutoriel avec votre photo. Et évidemment, dans le tutoriel, je vais vous identifier comme étant le photographe. Alors, merci, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.